Bon bah bonjour tout le monde. Je suis en panne de lave-linge. Donc je vais vous faire profiter un petit tuto réparation. Donc mon lave-linge, il y a deux bips du boîtier électronique. Par contre le moteur ne démarre plus et tous les voyants s'allument. Donc c'est plutôt galère. Donc là je vais essayer de vérifier les charbons du moteur. Voilà, donc j'ai démonté la partie gauche. Du lave-linge, donc là il y a trois vis Torx, hein. Et puis une fois avoir retiré la partie latérale, on va regarder ce qu'il a dans le ventre. Voilà, allez à plus. Ouais, donc voilà, je voulais quand même vous faire voir ce qui se passait. Donc là, je vais faire un essai de hop d'essorage. Donc je le mets en route. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, ça clique dans le boîtier électronique et les trois voyants s'allument en rouge. Donc voilà, je vais voir ce qui se passe. Allez, à tout de suite. Bon voilà, j'ai démonté la façade. Seul problème, c'est que le tuto que j'ai trouvé sur Internet avec le même modèle de lave-linge, on me dit qu'il y a deux boîtiers noirs côté courroie pour accéder au moteur. Le problème, c'est que je vois pas du tout de boîtier noir, donc ça se complique. Donc je vais retourner jeter un œil sur YouTube et puis je reviens un petit peu plus tard. À tout de suite. Oui, donc c'est à nouveau moi. Donc je vous ai laissé, je cherchais deux boîtiers noirs. Le souci, c'est que j'avais pas démonté le bon côté du sèche-linge. Donc voilà, c'est trouvé. Hop, je vous fais voir où ça se trouve. Donc c'est ces petits boîtier, je sais pas si vous voyez là, le bordel à filmer. Ces petits boîtiers là, donc c'est ces machins là. Enfin, ces deux petits boîtiers noirs avec les charbons dedans. Et donc, je vais tirer de 2-3 mm les charbons pour les allonger et que ça refasse contact. Et on va tester voir si ça marche. Voilà, donc je vous dis à plus, je vous tiens au courant. Bise. Donc, c'est à nouveau moi, donc je vais juste vous faire voir si ça vous arrive un jour cette panne-là. Donc, c'est un tout petit boîtier. Il y a une cosse, une fiche ici. Et puis, là, vous avez ce qu'on appelle, je sais pas si vous voyez bien, le charbon, la petite pièce noire là. Et donc, le principe, c'est de tirer un peu dessus. Je vais remettre mes gants. Donc le principe, c'est d'y tirer un peu sur la tronche pour que ça fasse contact. Donc voyez-vous, j'en ai gagné un petit peu. Voilà, il est là, au bout du truc. Donc je vais retirer encore un peu dessus. Donc là j'en ai gagné pas mal. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur. Avant j'avais quoi? J'avais 2 mm et là je l'ai rallongé. Voilà. Donc je vais réinstaller cette pièce-là. J'ai fait la même chose sur l'autre et puis on va voir si ça fonctionne. Allez, suite au prochain épisode. Bon ça y est, j'ai essayé de réparer mon lave-linge. Donc là ça va être verdict. Donc je vais tester. Hop, donc j'ai remis du jus. Je sais pas si vous vous rappelez, le fait que je remette du jus, en général, ça tourne pas toujours super bien derrière. Donc là, j'ai mis sur essorage. Et attention, verdict, les petits loups, on va voir si ça démarre. Et si ça démarre, putain, trop fort. Merde! Ah putain, j'ai tout fait disjoncter. Ah le con. Bon, ok, je coupe. Bon, décidément, j'ai pas de bol. Alors, j'ai resserré une petite vis que j'avais peut-être pas assez serrée. J'en fais un essai.
Enfin, décidément, l'électricité, c'est pas mon truc. Donc voilà, rinçage, ça clignote. Tac, attention, je lance. Ah. Bon, il fait un drôle de bruit, mais. Mais c'est normal. Hop. Ah. Par contre, faut que je l'arrête. Merde, il ne veut plus s'arrêter. Je vais le mettre sur arrêt. Je vais refaire un. Voilà. Je vais faire un essai de lavage. Je vous tiens au courant. Allez, bisous, à plus.